Ça, c'est du grand épeautre, il me semble. Oui, grand épeautre. Ah, moi, je suis passionné au marché. Quand j'étais tout petit avec ma maman, on allait faire les marchés et c'était ce souvenir de rencontres de gens qu'on ne voyait pas ou qu'on voyait, et puis les discussions, les connaissances qu'on trouve. Et puis ça, cette relation de l'humain et de la nourriture, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le but du jeu, pour moi personnellement, c'est un résultat comme ça. Voilà, faut qu'il y ait du goût, faut que ça se conserve. C'est voilà, un pain comme ça, tu le prends à la maison, t'en as pour 5-6 jours, hein, et puis après tu finis au grille-pain, ça se mange encore bien, quoi. Votre pétrin, c'est le pétrin à l'ancienne qui tourne comme ça et qu'on tourne avec... Effectivement. Fermentation sans levure, farine écrasée à la meule de pierre, et très important, l'équipe Antoine, tous les boulangers, façonnent à la main. C'est-à-dire qu'ils sont encore avec les doigts, il y a plein de capteurs sensibles dans les mains, hein, et vous êtes tout le temps en contact avec la pâte. Le but du jeu, c'est d'arriver à sortir un produit qui est beau, qui est bon et qui donne envie, quoi. It's the way you wish he's away.